Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo détente consacrée, comme vous pouvez le voir à l'écran, à Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch, bien sûr. Donc nous continuons la partie, tant qu'à faire, hein. Tout tant qu'à faire, voilà, comme ça ce sera dit, comme ça le jeu de mots pourri sera fait. Donc nous sommes donc comme je le disais sur Pokémon Bouclier Switch Donc je rappelle que Pokémon Épée et Bouclier sont sortis le 15 novembre 2019. Donc toujours Game Freak aux commandes, édité par Nintendo. Enfin la chose, ça n'a pas changé depuis l'existence de Pokémon. Alors voilà, donc on se retrouve donc là en fait où je suis dans la partie, parce que je vous fais une vidéo détente parce que j'ai pas envie de vous faire un let's play entier sur ce jeu. Voilà. J'ai fait un let's play sur un jeu Pokémon, ça a été tellement long, j'ai dit plus jamais. Donc je vous le montre quand même en vidéo détente, parce que je me dis ça peut être quand même sympa à voir. Alors faut savoir que le jeu, je ne l'ai pas acheté. Ce n'est pas un achat que j'ai fait. Donc petite dédicace rapide à Charlotte Vegas, c'est elle qui m'a prêté son jeu. Parce qu'elle m'a, elle s'est acheté les deux versions en même temps. Donc comme elle jouait qu'à une, elle m'a dit bah, pour l'instant je te prête le deuxième. Comme ça tu pourras voir un petit peu ce que ça a dans le ventre, je veux dire. Voilà. Donc là en fait où je suis dans l'aventure, pour ceux qui connaissent, j'ai chopé le premier badge à nom de la ville dont j'ai oublié. Parce que franchement les noms de ville, désolé, ils sont absolument pas mémorables dans cette version. Voilà. Voilà, je suis à Greenbury, donc. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une icône de taxi machin sur la route 5 parce que j'y suis allé. Parce que j'avais commencé un petit voyage sur la route 5 pour me rendre donc à Skiford, là où je dois aller pour choper le badge numéro 2. Donc bah du coup, pendant quelques minutes, on va jouer. Je vais jouer un petit peu en vous montrant choses. Ah, on annonce des orages dans les terres sauvages. Ouais, super. Alors vous pouvez voir un petit peu la tronche de mon équipe, hein. Voilà. Donc oui, j'ai commencé avec le starter feu, puisque bah tant qu'à faire. Et j'ai le Miaouss. Alors ça c'est le Miaouss. Où est-ce que j'ai mis la boîte du jeu? Je l'ai mise là. Pour tous ceux qui ont acheté récemment dans la boîte du jeu, vous avez une carte, obtenez un Miaouss spécial capable de gigamaxer. Bah c'est lui. Donc autrement dit, ça c'est le Miaouss, j'avais à peine commencé le jeu, dès que j'ai eu le starter, j'ai pu récupérer le Miaouss. Voilà. Sinon, voilà, le Pokémon plante, un Pikachu. Et le Magikarp qui est destiné à évoluer en Léviator. Ben, de toute façon, il est au niveau 18, donc si je vais faire quelques combats, il pourrait évoluer dans cette vidéo, là, le Magikarp. Ça serait pas mal. Allez, on y va, c'est parti. Oui, j'entends l'évoli. Ah, au moins c'est bien, c'est que cette fois-ci dans cette version, ça au moins c'est un truc bien. C'est que comparé à toutes les versions précédentes, dans Bouclier en tout cas, on peut choper des Evoli à l'état sauvage. Donc si je joue bien, je pourrais aller me faire une collection d'Evoli pour essayer de te choper toutes les évolutions. Alors oui, la dernière fois j'étais allé là et il y avait un Pokémon sauvage que j'avais un peu galéré à attraper, du coup j'avais perdu toutes mes... Alors le machin, l'ourson, je l'ai déjà. Le chinchidou, j'en ai chopé un. Le flufta, je sais plus. Si j'en ai pris un. Alors Coléodome. Bah oui, mais j'ai déjà la sous-évolution. Donc c'est pas la peine que je les capture. Que je capture lui. Mais pourquoi il se remet toujours à celui-là? Mon Pokédex se remet toujours sur celui-là. Je sais pas pourquoi, mais... Même quand je démarre le jeu, il se remet jamais sur le Pokémon numéro 1. Ce qui me paraît très logique. Tu vois. Putain, il y a quand même plein de trous. Hein. Bon, tant pis. Je vais pas chercher si j'ai... A la limite, je vais aller l'affronter. Je vais bien avoir l'icône qui va me dire si je l'ai ou pas. Alors. Bah oui, je l'avais déjà chopé. Bah c'est pas grave, on va l'attaquer. Alors, tiens, Nitro Charge, allez hop. Alors oui, c'est marrant quand sous les noms des attaques, ils vous marquent si c'est efficace ou pas efficace en fonction du Pokémon que vous avez en face. En sachant que quand vous combattez un nouveau Pokémon la première fois, c'est pas marqué. Voilà, tu vois, vive attaque efficace, double pied pas très efficace. Bah, c'est un Pokémon fait, si je me trompe pas, Fluftin. Bah, l'ennui c'est que Pokémon,
Bah jusqu'à maintenant le Pokémon le plus récent auquel j'avais joué c'était Ruby Omega. J'avais pas joué à X et Y et ni à Soleil et Lune. Enfin à part aux versions démo quoi. Ce qui est pas mirobolant. Alors oui, petit truc, vous avez vu, c'est l'équipe entière qui gagne des points d'expérience. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop les Pokémon récents, j'explique un peu. Ça, c'est avantage. Mais c'est quand même un peu con-con dans le sens où en fait tu fais la majorité des combats avec le Pokémon en tête d'équipe et les autres ils gagnent quand même. Donc bon. Alors de temps en temps quand j'étais combat de dresseur avec Mais arrêtez de me suivre. Putain, mais même en dehors des hautes herbes, ils te suivent. Ça alors, je ramassais des baies et voilà que je tombe sur une dresseuse. Je t'avais pas déjà combattu, toi. Bon, moi je me gourre avec un autre qui disait le même genre de texte. Il m'envoie un vert pomme. Ok, il me combat avec une pomme. Ok, soit. Franchement, je suis désolé, mais les Pokémon modernes sont vraiment chelous, quoi. Bon, alors lui, ce sera sûrement une plante. Hein. Ce sera sûrement un type plante. Hein. Je sais pas, je le connais pas. Ah, apparemment c'est pas un type plante. Ou à moins qu'il ait un double type plante avec un autre type qui serait immunisé au feu, enfin tu vois. Ce qui ramènerait l'équilibre au niveau de la faiblesse des types. Oui, il est KO. J'ai abattu la pomme avec le verre dedans. Ouais, je disais que Magikarp va peut-être évoluer dans cette vidéo, je pense que ça va être compliqué. Hein. Si seulement j'avais une baie pour redonner un peu de PV à mon Pokémon. Mais ton Pokémon est une baie. Oui, j'ai pris Dresseuse Fizz et je l'ai appelé Harmony. Et alors? Non mais, regardez, les Pokémon sauvages me suivent en dehors des herbes. Non mais, vous avez pas compris le principe. Hein. Ouais, je vais secouer. Les arbres à baie, tu peux les secouer, ouais. C'est pas genre, oh, il y a une baie et tu l'accueilles. Non, non. Donc voilà, là à chaque fois il me propose si je veux secouer une nouvelle fois. En sachant que si je continue à secouer, je risque d'un Pokémon sauvage me tombe sur le dessus en fait. Là j'en suis à 3B. Bon, encore une fois. Allez, j'ai 5B par terre, allez, j'arrête. Ce qui fait que je ramasse les B. Oh, ça doit être des B que j'ai déjà. Ah non. Attends. Ah non, ouais, ça c'est parce que j'avais chopé une CT, j'avais oublié de. Voilà, attraction, on va reclasser ça par numéro, hop. Ah, je peux pêcher. On va tomber sur quoi? Ah, merde. Je suis trop pressé. Ouais, la CT que je viens de montrer, elle était là, elle était cachée là. Voilà, on va se faire des dresseurs. Je vais te montrer de quoi sont capables les champions que j'ai élevés. Manami. C'est quoi ce nom? Et pourquoi elle est devenue blanche comme une morte? Ouais, Chachidou, une attaque combat. Chachidou type normal, attaque combat super efficace. Je connais encore la base de la table des types. Bah en fait c'est si je croise un type fait que je connais pas ses faiblesses. Les autres types ça va. Un Cordine, mais je connais même pas. Je sais même pas ce que c'est. Ah c'est toi. Ok. Bon on va essayer le feu, j'ai quelques doutes mais essayons. Ah bah j'ai bien trouvé. En même temps les feuilles vertes sur la tête ça sentait. Bon. Avec la pomme, je suis bien loupé. Ouais, Miaouss monte au niveau 20. Et il va prendre Provoque. Je suis pas sûr que je vais lui apprendre ça. Voyons voir. Alors, Provoque l'ennemi ou le bleu. Non. J'oblige pas l'adversaire à utiliser que des attaques. T'es fou. Oui, je renonce. Il y a Pikachu monte au niveau 19. Je ne savais pas quelle capacité utiliser, voilà le résultat.
Et alors voyons ça. Parce que oui. En fait, si j'ai gardé le Miaouz dans l'équipe pour l'instant, c'est parce que regardez. Objet, tu vas me donner ça s'il te plaît. Remets dans le sac. Oui, parce que si je vous montre. Attends, c'est marqué où, voilà, ici. Talent, ramassage. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé ce... le Miaouz dans l'équipe pour le moment. Parce qu'ils disent que Miaouz est capable de gigamaxer, je l'ai pas encore fait une seule fois. Hein. Bon, faut dire aussi qu'étant donné que le Dynamax n'est accessible que dans les arènes, enfin pour l'instant. J'allais dire, t'es aveugle ou quoi? J'ai élevé mes partenaires de manière peu commune, regarde donc. Lorenzo! Il m'envoie quoi, un nounourson? Dans sa bol bizarre. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas un code, peut-être que j'y pense. Oui, désolé, je pense à des trucs en même temps que... Oh là, hop, double pied. Non mais j'ai hâte de penser au fait que dans les news de la Switch, il y avait un code pour le cadeau mystère. C'est à ça que j'ai hâte de penser en fait. C'est en voyant l'apparence de la balle dans laquelle il a mis son nounourson là. Ouais, tu me baisses ma défense, bah, je te détruirai avant. Et voilà. C'est super efficace. Oui, quand on fait double P, il y a une espèce de bug, il retire son Pokémon avant qu'il soit déclaré KO, c'est bizarre. Ouais, votre équipe a gagné des points d'expérience. Colombo, mon niveau 22. Alors t'envoies à Tarsal. Oh merde, à Tarsal il m'aurait fallu des attaques insectes, j'en ai pas. Bon, on va quand même changer de Pokémon histoire de faire tourner. Bah je vais lancer Colombo, tiens. Bah c'est ça le problème en fait. Le fait que toute ton équipe le chope de l'expérience à chaque fois, bah tu fais tout le jeu avec un seul Pokémon limite quoi. Alors, Tranchir, ça doit être l'attaque la plus puissante que j'ai. Hey, c'est quand même efficace, même si j'ai pas l'avantage du type. Et l'autre, le dresseur qui lui dit « Fais un rugissement !» Ouais, vive attaque, ça devrait suffire à l'achever. Sauf si l'autre utilise une potion. Moi, j'appelle tellement ça du gagnage de temps, quoi. Il a encore un autre Pokémon derrière. Mais bon, manque de vol, comme j'ai vive attaque, je t'attaque deux fois de suite. Donc c'est con ce qui t'arrive. C'est très très con ce qui t'arrive. Alors, qu'est-ce que c'est quoi son troisième Pokémon? Bombidou, je sais pas ce que c'est. Je connais pas Bombidou, première fois que je le vois de ma vie. Bon, allez, on va faire avec le Miaouz. Comme ça, je vais vous le montrer un peu. Alors oui, pas la peine de me dire dans les commentaires, ouais, fallait ça, ça, ça. C'est quoi ce truc? Je suis au début du jeu, donc je ne connais pas les Pokémon. Bah, je vais lui faire morsure, tiens. Ah, c'est pas très efficace, hein, c'est raté. Volvi, ce serait un plante? Un plante insecte, hein, c'est Pokémon du genre, là. Bon, alors on va éviter l'attaque tourneur, on va faire tranche. L'attaque ténèbre, je voulais dire. Pourquoi j'ai dit l'attaque tornade? Voilà, ça marche mieux. Vent féerique. C'est l'attaque fée, ça. Allez hop, au revoir. Allez, la pyro monte au niveau 25. C'est bien. Les Pokémon sont des êtres vivants, on ne peut pas toujours contrôler leur développement. C'est bien vrai ce que tu dis. C'est bien vrai ce que tu dis, mon petit. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Ne pas pouvoir tout contrôler a du bon. Cela signifie que les Pokémon peuvent nous surprendre avec leur potentiel insoupçonné. Ouais, c'est cool. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Attends, je vais parler à la madame. Enchanté! Bienvenue à la garderie Pokémon. Ici, nous occupons des Pokémon que les gens nous confient. Ouais, c'est la pension, quoi. Si tu en laisses deux, il se peut que nous trouvions un œuf. Si tu veux en savoir davantage sur ce sujet, demande à la dame à l'intérieur. Alors, souhaites-tu utiliser nos services? Non, plus tard, s'il te plaît, merci. N'hésite pas à revenir.
Parce qu'effectivement, s'il y a la pension et qu'on peut avoir des œufs, bah, ça serait bien, bien pour moi de mettre des couples de Pokémon compatibles du coup. Oh, c'est un Culbutoké ça? Je veux le Culbutoké. Culbutoké. Moi, c'était tentant. C'est quoi Culbutoké? C'est un psy ou un... J'ai même plus. Je sais même plus quel type de Pokémon c'est Culbutoké. Le Pokémon ultra connu, tu sais même plus le type que c'est. Bon, je vais essayer de pas trop le massacrer. Rien du destin. Le Culbutoké sauvage veut emmener... Quoi? Mais j'ai même pas eu le temps de lire. Mais laisse-moi le temps de lire. Quoi, c'est une sorte de... C'est... Quoi, t'étais en train de me dire que genre si je le mets KO, je suis KO en même temps, c'est ça? J'ai pas eu le temps de lire le texte. Vous pourrez vous le repasser au ralenti et faire une petite pause. Mais moi, pas possible. Bon, mon but, de toute façon, c'est pas de le mettre KO, c'est d'essayer de le choper. Voile miroir. Mais c'est quoi ces attaques? En tout cas, ça a échoué le voile miroir. Je vais prendre Flamèche, c'est moins fort. Ouais, encore une fois, je pourrais essayer la capture, je pense. La riposte a échoué. Bon, il est nul, ce Culbutoké. Il recommence avec le gars du destin. Bon, je vais essayer de lire. Voilà, vu Culbutoké sauvage, je vais emmener son ennemi au tapis. Ça doit être ça. Ça doit être si je le mets KO, mon Pokémon sera KO aussi. Je pense. Qu'est-ce qu'il me reste en bol? Ah, j'ai plus de super. Oh, Copa Ball, Honor Ball, j'ai pas envie de l'utiliser. Bon, on va essayer avec la Pokéball de base. C'est ça que je devais faire à la ville que j'ai oublié de faire, voir si je pouvais racheter des Super Balls. Parce que oui, j'avais des Super Balls que j'avais trouvé dans la nature. Regardez-moi ça. Ça, c'est dégueulasse. À la dernière microseconde, je suis désolé, c'est dégueulasse. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Voilà, là, c'est encore pire. Pourtant, les conditions n'ont pas changé. Mais merde. T'avais même certains Pokémon sauvages de base, tu t'en chies à les capturer. Allez, dans le rouge, qu'est-ce que tu veux que je fais? Peut-être l'endormir ou le paralyser, mais je sais même pas si j'ai encore un Pokémon qui peut le faire. Alors... Ah, mon Pikachu, il a encore cage éclair. Alors, je vais envoyer Pikachu, je vais lui faire une cage éclair pour le paralyser, on va retenter. Impossible de rappeler. Quoi? Mais pourquoi? Mais what? Mais pourquoi? Attends, tu vas me dire que c'est parce que l'autre, il a le lien du destin? Eh, mais normalement, le lien du destin, il est pas censé m'interdire d'échanger mes Pokémon. Normalement, j'ai pas le droit d'échanger mes Pokémon s'il fait un truc du genre regard noir ou je sais pas, moi. Putain, je suis condamné à tenter les Pokéballs sans que ça marche. Parce que si je lui donne un petit coup, même avec l'attaque la moins puissante, il crève. C'est vrai, quoi. Je suis sûr que je vais mettre KO. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oh, je viens de perdre 6 Pokéball pour rien. Ah, je vais faire évoluer le Tournicoton. Bon, allez, vas-y. Ah, c'était rapide. Et il évolue en Blancoton, ouais. Ah, ça par contre c'est bien. Quand vous avez une évolution, vous voyez l'ajout des données au Pokédex. Dans les anciennes versions, si vous vouliez lire les informations sur un Pokémon que vous veniez de faire évoluer, il fallait vous-même aller dans le Pokédex, machin, aller le chercher. Là au moins ça a été fait automatiquement, comme quand vous capturez du Pokémon sauvage. C'est bien. C'est quand même bien ça. Alors, les fils tissés à partir du... Les fils tissés... Oui, je fais plus la voix du Pokédex, hein. Je fais plus Pokémon, chef, coton. Alors, les fils tissés à partir du V de sa tête.
Son satiné est absolument somptueux, le textile ainsi créé est typique de la région de Galar. D'accord. J'allais dire, pourquoi tu me le remets à l'écran? Sport coton, ça fait quoi sport coton? Alors, lanceur libère des spores cotonneuses qui collent à l'ennemi, baisse beaucoup sa vitesse. Ouais, mais non, j'ai pas envie de prendre ça. Moi, je suis du genre, vous le savez si vous avez suivi le let's play sur Soul Silver, hein. Vous savez que... Mais arrêtez de me suivre! Y'a pas d'objet là-dedans, on sait jamais. Y'a pas l'air. Allez, je me fais courser par les Pokémon. Eh, hey, vous allez aller jusqu'où? Coucou! Ah, par contre, là derrière, il y en a. J'avais pas vu qu'on pouvait passer là. Mais ramasse-le! Une carapace mue. Un objet à tenir, une carapace dure qui permet au porteur de se retirer même s'il est affecté par une attaque immobilisante. Ah bah tiens, c'est ce que je disais. Il y a un peu d'eau là, mais je peux pas y aller. Alors j'aime bien les Pokémon sauvages qui disparaissent. C'est Joséphine Ange Gardien le machin. Alors je vais pas dans la pension, on va continuer la route. Hein. Ou pas. Vous voulez quoi vous? Ah, tu vas nous filer ton vélo, oui. On a un pont à traverser, une choupinette à encourager, nous. Et à vélo, c'est plus facile ainsi pour suivre les challengers. Et puis quoi encore? Vous n'avez même pas de motisma, bande de clowns. Putain, mais il a l'air complètement défoncé ce mec. Ah, challenger, tu tombes à pic. Ces deux guignols essaient de me voler mon bien. Tu voudrais bien me rendre service et me débarrasser d'eux? Bah oui, parce que dans Pokémon, on fait tout le boulot à la place des autres. Hein. Mais quel mytho! On peut pas lui voler son vélo. On veut juste se réquisitionner. Pour la bonne cause. Poursuivre les challengers pour les épuiser, c'est une bonne cause. Mais en fait, j'ai une idée. Le meilleur moyen de dégoûter les gamins comme toi du défi des arènes, c'est de leur mettre une bonne raclée. Bah vas-y, essaye. Le sbire de la team Miel. Franchement, je préférais la team Rocket. Hein. Ah, Zigzaton de Galar. Alors, qu'est-ce que... Ah, je peux utiliser double pied. Regard touchant. Oh, je suis touché. Je suis touché en plein cœur. Tu baisses... Non mais il m'a baissé mon attaque et encore un seul coup de double pied, ça passe. Alors, Magikarp pour ton niveau 19. Un rouble nard. Mais je sais pas ce que c'est non plus. Ah, d'accord, je pense que c'est l'évolution de... Comment il s'appelle, Goupilou, je crois. Parce que j'ai capturé Goupilou et ça a l'air d'être son évolution, ça. Voilà, vous voyez, c'est la première fois que je le rencontre, j'ai pas les efficacités décrites. Bon, on va poursuivre avec double pied, je pense que ça va le faire. Là, j'ai tellement raison. Lui, il est plus résistant, par contre, hein. Vas-y, utilise baston. Alors vous voyez, à chaque fois que c'est double pied que je me sers, on voit l'animation du retrait du Pokémon avant qu'il soit déclaré KO. Alors que normalement c'est le contraire. Normalement il vous dit machin est KO et on voit le retirer. Et je sais pas pourquoi avec double pied ça fait le contraire. Mais c'est moi qui devais te mettre une raclée. Eh ouais. Attends, il y a le deuxième encore. Si on peut plus emprunter des vélos tranquilles maintenant. C'est clair, il nous faut ce vélo. Il n'y a pas d'autre moyen. T'as peut-être explosé mon pote, mais moi, je vais pas te rater. Allez, deuxième, on enchaîne. Par contre, j'ai l'impression que l'animation rame un tout petit peu quand même. Oh, Télifix. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Attends, il est dans nuit, c'est que Télifix, c'est des spectres ou ténèbres. C'est ça que j'ai un petit peu oublié. Bon, allez, je vais lui foutre le feu directement. Parce que si jamais il est spectre, mes attaques normales et combats fonctionnent pas. Ah, tu m'entraves, pas de problème. J'ai d'autres attaques en stock, t'inquiète pas.
Et qu'est-ce que ça fait si j'essaye de la faire? Ouais, d'accord, c'était juste pour voir. Allez, flamèche. Brûle dans les flammes de l'enfer, espèce de souris démoniaque. Allez, je veux faire monter Magikarp au niveau 20 pour qu'il évolue. Alors, Meowth au niveau 21. Pikachu au niveau 20. Et Pikachu va prendre étincelle. Alors, c'est quoi étincelle? Lance une charge électrique sur l'ennemi, il peut le paralyser. Ah, mais Ruse, je vais peut-être le garder. Oh, tant pis, je vais virer la cage éclair. De toute façon, il y a aussi un truc dans cette version. Dans Pokémon épée bouclier, que ben, vous pouvez dans le centre Pokémon, il y a quelqu'un qui peut vous réapprendre des capacités que vous avez fait oublier à vos Pokémon. Donc au pire, si jamais j'en ai besoin un jour. Non, je m'imaginais déjà sur ce vélo, mais la terreur, ça m'a déconcentré. T'es coriace toi. Un vrai danger pour Rosemary. On va s'assurer que tu puisses pas lui nuire. Allez, vous allez faire quoi? Vous enfuir? Parfait, excellent. Merci pour le service. Mais dis-moi, je vois que tu as un Pokédex. Ça signifie que tu as un Motisma, non? Excellent, parfait. Je vais te donner mon vélo. Au moins, il sera en bonne main. Bah dis donc, carrément. Ce qu'il faut savoir, c'est que Motisma raffole des moteurs. À tel point qu'il n'hésite pas à sauter dans n'importe quelle machine avec un moteur. Mais un vélo, ça a pas de moteur. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un vélo, pas une mobilette. Et c'est là que j'ai eu une idée. En attachant un moteur sur un vélo, je me suis dit, peut-être que Motisma se rejettera dedans aussi. Et puis, on pourrait appeler ça un vélotisma. Ou une moticyclette, peut-être. Ouais, pardon. Oh, allez, c'est... Je suis sûr que tu vas adorer la vie à la moticyclette. Allez hop, monte sur ce vélo avec ton Motisma. Ouais, super. Vous mettez la moticyclette, j'ai du mal à le dire, dans la poche d'objets rares. Ouais, alors Motisma est entré dans le moteur de cette bicyclette à assistance électrique et permet désormais de mettre le turbo. Je te relis le manuel si tu veux. Pour partir à l'aventure en moticyclette, il suffit d'appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins. Allez, en selle. Ça y est, t'as fini de me parler? Je peux mettre le vélo? C'est quoi cette tenue? Elle change de tenue en même temps! Oui! Youhou! Et comment on met le turbo? Ah, comme ça? Je sais pas, j'ai appuyé sur B, mais je l'ai fait tellement au pif, rien à l'écran m'a dit qu'il fallait faire ça! Bon, c'est bien gentil, mais dans le sac, on va quand même reclasser les objets. Alors, trier par nom, hop! J'ai chopé ici. Ah ouais, la carapace mue, c'est vrai. Alors, bonjour madame. Non mais elle se prend pour qui, la team IL? Prétend soutenir un challenger en s'abandonnant les autres? Ça se fait pas. Tu vois ce bâtiment au loin? C'est le stade de Kickenham. Toi aussi, tu te battras là-bas. Ah, il y a un truc. Oh, il y a des trucs par terre là. Oui, les petites étoiles qui brillent au sol, c'est des objets. Une plume très jolie mais ordinaire et sans effet particulier. Ouais, ça vaut le coup. Bah, ah, j'allais dire, j'avais eu un point là. Plume santé. Pour un peu augmenter ses PV de base. Ah, bonjour Nabil, j'avais oublié ton nom. Ah, te voilà. Je t'attendais pour mieux te défier. Ah, on va devoir se battre, c'est ça? Continue d'avancer, je te provoquerai en combat singulier. Bah oui, mais... L'ennui, c'est mon lapiro. Oh, quoique, il est pas si dans la merde que ça, mon lapiro. Ça va encore. Hein. Allez, on continue. On est des fous. Ouais, je vais peut-être quand même sauvegarder avant. Voilà. Je vais quand même faire une petite sauvegarde par sécurité. Nous sommes deux fiers challengers, ayant tous deux remporté le badge plante. Mais je sais, hein. Non, mais lui, franchement, c'est à peau de colle, hein. Voilà, c'est le mec qui démarre votre aventure en même temps que vous, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il te suit partout. Un duel amical, c'est l'entraînement idéal.
Putain, je fais plus de duels qu'avec les rivaux des anciennes versions. Et la musique en plus. Oh, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, elle est même entraînante. Mais t'as franchement pas l'impression de te battre contre un mec bien dangereux, quoi. Ah oui, par contre, ne pas mettre de doublage et avoir les lèvres qui bougent, ça fait très très con. Vous en penserez ce que vous voulez. Et il commence toujours par mon mouton. Il commence toujours par mon mouton, toujours. C'est répétitif à force. Y'a pas de doute, tu me dis... mais putain, il me dit ça à chaque fois. Mais à chaque fois que je lui fais l'attaque combat super efficace, il me dit... Oh, tu maîtrises l'infinité des types, hein. Bah tu devrais peut-être te mettre à la page toi aussi, mon vieux. Un bleuzeil. Ouais, ça doit être son oiseau. Alors on va mettre Pikachu. C'est bon, j'ai le droit d'utiliser Pikachu cette fois. Ouais, gagné. Alors, bah vous voyez, je l'ai jamais croisé puisqu'il n'y a pas les, il y a pas les efficaces ou pas efficaces marquées sur les attaques, donc c'est que je l'ai jamais croisé. Je vais prendre étincelle. Bon, d'accord, le Pokémon l'oiseau est plus rapide. Pourtant Pikachu c'est censé être un Pokémon plutôt rapide. Eh, ça va. Mais putain. Non mais. Enfin ça c'est pas compliqué. Ça dans tous les jeux Pokémon auxquels j'ai joué, ça a toujours été comme ça. Quand vous avez des attaques et des attaques multiples qui peuvent attaquer entre 2 et 5 fois, quand moi j'attaque l'adversaire, ça touche toujours que 2 fois. Mais quand c'est lui qui m'attaque, c'est toujours les 5 fois. Toujours. Allez, on va croire que je râle. Non, j'observe juste une mécanique un petit peu dégueulasse. Voilà. C'est tout. Badaboin. Ah, c'est l'évolution de son Pokémon de plante, je parie. Bah oui, parce que, hein, monsieur se prend pour un rival, mais quand on a choisi le starter, il prend le starter qui est moins fort. Il prend le starter qui est désavantagé par rapport au mien. Mais bon, on va prendre Colombo pour changer. Bah oui, j'ai des attaques vol, autant les utiliser. Y a pas que le feu, hein, pour se faire un Pokémon plante. Ah, c'est mon dernier Pokémon, faut pas que je panique. Bah mon vieux, t'as toutes les raisons de paniquer. Mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais de voir ses lèvres remuer avec pas un son qui sort. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. Allez, tranchère. Il est moche, son singe. Je veux pas te faire de fleurs. Bah t'arrêtes pas de m'en faire, en fait. Putain, mais même son Pokémon plante est plus rapide que le mien. Putain, mais il est... Ah ouais, il est niveau 21 quand même. Ça va, franchement, ça va pas beaucoup me... Bah ouais, c'est pas très efficace, donc ça va pas beaucoup me toucher. Par contre, tranchère, c'est pas une attaque qui faisait 100% de critique? Ah non, ou c'est un haut taux de critique, je m'en souviens plus. Allez, on a presque fait évoluer Magikarp, on va y arriver. Oui, j'ai battu Nabil. Je dirais Nabil le débile. On a tous les deux le badge plante. Non, alors pourquoi t'es plus forte que moi? Bah parce que t'es nul. Parce que t'es débile. T'assures de plus en plus, Harmonie. Va falloir que je m'entraîne comme un fou si je veux pas me laisser distancer. Et il me donne des objets en plus. La prochaine sur la liste, c'est Donna, de l'arène type O. Ouais, allez, vas-y. Non mais, mec, pourquoi je suis plus fort que toi, à ton avis? Non mais, les trois derniers combats, c'était comme ça. Il commence par son moumouton, ensuite il balance l'oiseau, ensuite le starter. Toujours. Alors forcément, je sais comment il se bat. Pendant que je chope des plumes sur le sol. D'ailleurs, je vais peut-être les classer dans mon sac. Ça les met où? Ici. Oh, classé par nom. Ouais, la plume qui a aucun effet. Je peux rien faire avec en plus. Voilà, je peux juste la faire porter à Pokémon. On va m'expliquer à quoi ça sert. Hein.
avec une description. En même temps, la description donnée par le jeu, la description elle-même te dit que ça sert à rien. En même temps, j'ai envie de te dire. Bon, ça, c'est vrai que les paysages sont quand même. Vu comme ça, le panorama il est joli, hein. Y a pas à dire, hein. Parce que j'essaye de faire le rapport avec tout ce qui a été dit sur le jeu. Mais par contre, c'est vrai que je me suis baladé dans. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est vrai que je me suis baladé dans les terres sauvages et que le clipping était affreux, ça, je suis. Par contre, on est d'accord, c'est vrai que dans les terres sauvages, il y a une espèce de clipping dégueulasse. Ça, je suis obligé de le reconnaître. Ah, encore une dresseuse, c'est bien. Je vais pouvoir peut-être faire évoluer le. Il faut renforcer les points forts de son Pokémon et ignorer ses points faibles. Bah non, les points faibles des Pokémon, vaut mieux les connaître, non? Attends, est-ce que t'as la même logique que Nabil? Juste. Un série bouge, je devrais pouvoir le cramer, je pense. Ah bah oui, super efficace. Ouais, même Flamèche, ça devrait suffire. Qu'est-ce que je disais? Allez, Magikarp, tu vas y arriver. On y croit. Un chauve-sourire. Toi, je vais l'électrifier, le chauve-sourire. Allez, hop. Allez, étincelle. Oh, je reglace les attaques à Pikachu. Ça a peut-être une idée. Ah ouais, j'ai toujours pas fait le truc du code, Ophi. Allez, Magikarp a augmenté de niveau. Ça y est. Et alors, Pikachu monte au niveau 21. Magikarp monte au niveau 20. Et j'ai battu Erin. J'ai perdu, c'est vrai. Mais je vais essayer de pas me laisser abattre. La pause, franchement. Allez, Magikarp, évolue de poisson inutile à gros serpent. Bah oui, là, franchement, l'évolution, vous la connaissez. Mister Léviator. Alors... Quand il se laisse emporter par la rage, même la plus violente des tempêtes ne peut l'empêcher de détruire tout ce qui l'entoure. J'aime bien, avant la description, disait qu'il déclenchait des tempêtes. Maintenant, on te dit que même la tempête peut pas l'empêcher d'agir. Voilà, comme ça, j'aurai un Pokémon un petit peu plus intéressant. Bah bien, il faudrait qu'il apprenne des attaques haut maintenant. C'est bien joli tout ça, mais... Voyons ça. Ah, déjà, t'as piqué Miaou, je trouve qu'il ramasse. Il ramasse pas des trucs aussi si souvent que ça. Hein. Regardez comment le nombre de PV de Pikachu fait pitié à côté de Léviator. Bah, même Miaou, il est pas mieux. Hein. Bon, en même temps, je sais bien, Léviator maintenant c'est un Pokémon évolué donc. Alors. Je vais faire le truc du... Alors, il faut regarder dans le... Parce que j'ai vu ça dans les news. Ah ouais, c'est vrai, c'était dans la news qui parlait des Magikarp des Red Dynamax. Là. Faudrait que j'essaye, mais... Mais j'essaierai hors vidéo. Voilà, recevez un cadeau mystère spécial, entrée de mot de passe suivant dans votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pour recevoir des objets utiles en jeu. Pour entrer le mot de passe, rendez-vous dans le menu principal, sélectionnez un cadeau mystère, puis recevoir un cadeau mystère, et enfin, via un code ou un mot de passe. Le mot de passe, va falloir le retenir. Hein. Pour choper 10 Scoobables. Et vous avez jusqu'au 30 janvier pour le faire, si vous avez le jeu. Donc, 0T0 SH1 DA Mon. Enfin, Dama, on va dire, pour retenir plus facilement. Et vas-y, je vais retenir ça le temps que je vais dans le menu. Code. La batterie de votre console s'épuise de connexion. Non, la batterie elle risque pas de s'épuiser, la console elle est dockée là.
Et t'inquiète, la connexion, il n'y aura pas de problème vu que je suis connecté avec un adaptateur RJ45. Bah, je suis obligé de toute façon. Alors, c'était 0T0. J'aurais peut-être dû l'écrire sur un bout de papier. C'est ça, je crois. Ah ouais, ça a marché. Le loul. Bon allez, pas besoin de nous faire des animations qui durent des plombes. Voilà. Allez, bon, si je veux voir vos cadeaux mystères, voilà le miaouse. Le miaouse Gigamax est là. Non, je vais pas promener un Pokémon à Pokéball Plus, j'en ai pas. Bon, on va quand même choper l'objet. D'attaque spéciale plus. Hop, on va trier par non. Ensuite les bols. Les scuba bols. Alors c'est quoi déjà? Ils fonctionnent particulièrement bien sur les Pokémon sous-marins. Bon, je vais quand même essayer d'atteindre la... Alors, il y a quoi ici? Du fluffetin, du nounourson... Ouais. Bah allez, affronte-moi! Ah, je te jure. Ne le répète à personne, mais en fait, mon Pokémon mène dans mon travail. Emily l'employé, attention. Un Cradopo. Je suis dans la merde avec mon Pokémon feu, là. En double pied ça passe. Eh mais non, ça passe pas évidemment. C'est peu efficace. J'en fous que tu me provoques, j'ai que des attaques à la base alors. Wow, presque. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi s'y retourner? Inutile. Inutile, chers amis. Inutile de se retourner. Putain. Le déviateur, il fait limite plus peur sur la miniature que en vrai. Tu as réussi à battre mon Pokémon alors qu'il est meilleur que moi pour faire mon travail. Putain, je gagne la blinde d'argent quand même. Ah bah je dois être arrivé à la ville je pense. Ouais j'y suis. Je suis à la ville de Skiford. T'as la musique. Bon elle est sympa. Bon après une ville portuaire pour une arène d'eau, ça c'est logique. Que voulez-vous? Je suis navré, mais le président est très occupé. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous laisser? Merci. Oh, ok, au revoir, monsieur le président. Putain, je l'avais même pas reconnu sans son costume. Ouais, je vous jure, sans son costume, je l'avais pas reconnu. Mais c'est quoi ce short? On dirait qu'il est en caleçon. Enfin, chers amis, revenez. J'ai toujours le temps pour signer quelques autographes. Je vous donnerai même ma carte de ligue. Tu sais, je l'avais même pas vu Travis là aussi. Enfin, Liv! Toutes ces bonnes gens ont bien le droit de profiter du plaisir que leur apporte ma présence, elles aussi. Ne perds pas de vue que, sans le soutien des fans, nous ne serons en rien. Sois donc un peu plus aimable avec eux, d'accord? C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faudrait qu'ils vous laissent travailler si vous voulez continuer de les éblouir. Moi aussi, je vais continuer tout donner pour vous. C'est formidable à toi, mon petit. Mon petit, peux-tu juste me rappeler ton nom? Attends,
Il est pas censé être recommandé par le président, ce mec. Et le président a oublié son nom. Non mais c'est une blague. Travis, monsieur. Bien sûr, le brave petit Travis. Tu as bien grandi. Je me souviens encore de toi, le jour où je t'ai donné un Pokémon. Tu as l'air bien parti pour réussir le défi des arènes. Les protéger du maître aussi. Vous m'avez fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président. Je ne vous décevrai pas. Je serai le meilleur des challengers, vous verrez. Je vais m'entraîner de ce pas. Ouais, ça, casse-toi. Tu t'appelles Harmonie, c'est bien cela? Je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé de te recommander. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. C'est normal, après tout. Je suis tellement fabuleux. Ma jeune amie, tu es en route pour affronter Donna, c'est bien cela? Écoute, je compte m'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu auras obtenu ton badge pour que l'on célèbre ça ensemble. Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi. Je suis curieux. Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous bousculer, mais il serait temps d'y aller. Je compte sur toi, jeune dresseuse. Surpasse-toi pour l'avenir de Galar. Ah non, mais il est fort en beau discours. Hein. Le Président a un planning très très chargé, mais il a prévu de passer au restaurant de fruits de mer un peu plus tard. File récupérer ton badge et retrouve-nous là-bas. Ne le fais pas attendre. Ça y est, je peux jouer. De toute façon, je pense qu'on va arrêter, hein, sinon la vidéo va s'éterniser. Donc, bien sûr, pour terminer ça, on ira au centre Pokémon. Ouais, ça va. Allez, centre Pokémon, on va soigner tout ça. Je me souviens de Soul Silver quand je vous faisais tous les passages au centre Pokémon en accéléré. Bonjour, bonjour, santé, à bientôt, machin, chouette, bidule. Mais je te reconnais. Vous avez terminé la mission d'arrêt du stade de Greenbury. Félicitations. En récompense, vous avez désormais accès à plus de produits dans notre établissement. Mais je parle, et j'en oublie les bonnes manières. Bienvenue à la boutique Pokémon, que désirez-vous faire? Est-ce qu'on pourrait acheter des Super Balls? Ouais, allez, j'en prends une dizaine. Hop. Ouais, une Honor Ball en cadeau parce que j'ai pris... Les Pokéball, pareil, je vais me remettre à 20. Merde. Putain, faut tout recommencer, non mais... Voilà. Oh là, après le reste... Le reste, en général, j'en achète pas trop, parce que t'en trouves plein. Souhaitez-vous autre chose? Nine. Bah, honnêtement, regardez. Hop. Je n'ai acheté aucun objet de soin dans les boutiques. J'ai acheté que des bols. Hein. C'est tout, hein. Bah, regardez les objets de soin. J'ai de l'anti-brûle, j'ai de l'anti-para... La potion, j'en ai 7, on en a acheté 0. Hein. Le rappel, j'en ai 7. J'ai même un rappel max et tout. J'ai tout. Super potion. J'ai tout ce qu'il me faut en ayant acheté que dalle. Après, j'ai même l'eau fraîche. C'est tous des objets trouvés. Il n'y a que les bols que j'en ai racheté. C'est tout. Donc, tout le reste, c'est tout du chopé dans la nature. Quoi. Après, les repousses, ça, c'est Miaouz qui me les a filés. Puisque comme je garde sur moi un Miaouz qui a la capacité ramassage. Ah, j'ai même encore mes saucisses. Voilà, c'est lui qui... Voilà, Zeno, rappeler une capacité. Voilà, c'est lui qui peut me redonner des capacités que j'ai fait oublier à mes Pokémon. Voilà, tu vois, je peux lui faire en oublier, je peux lui faire réapprendre des capacités que j'avais oubliées. Je peux même renommer mes Pokémon aussi, mais bon, ça, je le fais pas, hein. C'est pas trop mon genre de donner un surnom à... Bah c'est pas ça. Quand tu dois donner un nom à tes personnages ou tes bestioles dans un jeu vidéo, c'est bien quand on a 2-3. Mais quand t'es des Pokémon, quand t'en captures 50-60, va donner des surnoms à tous les Pokémon. T'as pas fini, hein. C'est pour ça que je le fais jamais. Enfin bref. Donc du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo détente sympa. J'en suis quand même à 50 minutes au compteur. Bon, comme il y a toujours un petit peu de temps de synchronisation qui est coupé au milieu. Pourquoi tu viens me voir, toi? Bonjour, Challenger. Bah, c'est ça, casse-toi. Je serais tellement pas comme ça dans la vraie vie, je vous jure. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis pas comme ça en vrai. Hein. En vrai, je croisais quelqu'un dans la rue, je lui fais pas, ouais, casse-toi. Bon. Donc, allez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, peut-être éventuellement que vidéo détente sur Pokémon bouclier.
J'en referai d'autres tant que j'ai encore le jeu. Parce que bon, faudra bien le rendre au bout d'un moment, forcément. Alors tu vas me dire, il y en a qui pourraient me dire, bah si tu dois rendre le jeu qu'on t'a prêté, que tu veux encore y jouer, bah t'as juste à en racheter un. Oui, mais ça éventuellement je le ferai quand le jeu sera à moins cher. Parce que là comme maintenant le jeu il a je sais pas combien. Oh, je l'ai vu à 45-50 euros je crois à peu près. Sur internet hein. Je préfère attendre suffisamment longtemps que des exemplaires se retrouvent sur le marché de l'occasion pour essayer d'en rechoper. Voilà. Bon, allez, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis ciao et à la prochaine.